Salut, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente toujours de vous retrouver en ce moment. Et vous savez que ce genre de vidéo aussi, ça me booste encore plus. Oui, on se retrouve pour un swap. Un swap avec la belle Stacy. Les rendez-vous de Stacy. Elle a une chaîne YouTube et un Instagram. Donc je vous mettrai tout ça dans la barre d'infos. Ainsi que la vidéo du paquet que je lui ai envoyé. J'espère que cette vidéo vous plaît pour vous rebooster dans ces moments difficiles. On like dès maintenant, comme ça c'est fait, et puis on est parti pour la découverte de ce swap. C'est une fille que j'ai rencontrée dans mon coin puisqu'elle habite pas très loin de chez moi. On s'est croisés grâce à une de ses copines, Stéphie, du coup aussi sur Instagram. Bien du coup on a fait connaissance puisque Stéphie elle me suivait sur YouTube, elle m'a rencontrée lors d'une soirée Sephora Gold. Et puis après bah Stéphie, de fil en aiguille, on a papoté et on s'est découverte. Honnêtement depuis que je suis dans le Nord je fais de très belles découvertes. Des filles simples, des filles top, rien à dire, avec une petite passion du make-up comme moi. Donc ça fait toujours plaisir de partager ça avec elle. Et donc je suis ravie de faire ce swap avec Stacy. Du coup, on s'est échangé nos petits paquets. Donc elle m'a mis tout ça dans un sac Sephora. Et une boîte bonus en plus avec une petite lettre. Je vous montre ça. Tic tic tic. Donc là je suis trop contente de découvrir tout ça. J'ai hâte. Vous imaginez bien. On va donc commencer par la petite boîte bonus avec la petite lettre. C'est une jolie boîte rose comme ça de la marque Look Fantastic. Elle m'a dit que dedans elle a mis les bonus et des choses qu'elle n'a pas emballées, les petits plus quoi. Moi je vous avoue que les petits bonus je lui ai emballé, hein, donc bon, ça change rien. Une petite carte comme ceci, elle est trop jolie. Coucou Karine, merci d'avoir accepté ce swap, j'espère qu'il te plaira. J'ai mis tout mon cœur et ça je n'en doute pas. Tu es une si belle personne, reste comme tu es. J'espère que ta famille se porte à merveille et grosse pensée à ta maman. Merci ma douce. Alors déroulement de ce swap, boîte Look Fantastic goodies, sac Sephora, les cadeaux, il n'y a pas de numéro, donc je peux choisir ce que je veux, bon déballage, et c'était un plaisir, hâte de te revoir, ben moi aussi, hein, dès que tout ça sera fini, j'ai hâte de te revoir, j'espère de tout cœur que mon swap lui aura plu, j'ai hâte de voir un petit peu ses réactions, mais c'est vrai qu'elle m'a dit logiquement que tout était top, en tout cas, je vous invite à aller découvrir ce que je lui ai mis dans son petit paquet. Faut savoir qu'on s'était évidemment fait des petites wishlists, mais on n'était pas obligé de piocher dedans. Moi, j'avoue que j'aime bien suivre un peu les wishlists, et puis j'essaie de faire des petites choses en plus, des petites découvertes, des choses que j'aime bien, des petits favoris, des choses comme ça. Donc dans la boîte, alors on découvre tout de suite la petite boîte, des petits Kinder pour mes enfants, ça c'est trop cool. Donc ça c'est les petits bonus. Elle m'a mis une miniature de parfum Guerlain, moi j'adore les miniatures, hein, je pense que je l'ai répété au moins 500 fois dans les vidéos. Elle m'a mis un pinceau de chez Juvia Ice Place, je pense. C'est un pinceau plat, donc je pense que c'est un pinceau pour le fond de teint logiquement. Moi c'est pas le genre de pinceau que j'utilise, mais je l'utiliserai pour mettre mes masques. Oui, parce que ce genre de pinceau-là, ça marche très bien pour les masques, pour le visage. Elle m'a mis un mini pinceau comme ça, de chez Too Faced, là, qui doit venir de la palette contour, ou quelque chose comme ça, je pense. Oui, c'est ça, contour Buki. Ça, c'est cool, merci, je vais pouvoir l'utiliser sans problème. Ensuite, elle m'a mis un lait hydratant pour le corps de chez Isemiyak. Je ne connais pas, l'eau d'Issée. Ça sent hyper bon, d'ailleurs. Elle m'a mis une crème, une sorte de pommade. Alors, c'est pas écrit en français. Je sais qu'elle l'a eu dans une box UK de la marque Eucerin. Une sorte de crème pour le corps, hein, je pense. Un peu smoothing skin balm. Donc, bah écoutez, moi j'aime beaucoup les crèmes pour le corps. Je sais qu'elle, c'est pas son dada, donc j'en ai pas mis logiquement. Mais moi, ça me dérange pas. J'en utilise régulièrement. Après, elle m'a mis un gel douche exfoliant de chez Yves Rocher. Moi, j'en ai déjà testé il y a quelques temps. J'avais pas été plus transcendée que ça. Mais je retesterai, hein, parce que c'était il y a au moins 2-3 ans. Donc, pourquoi pas retenter. Et elle m'a mis un produit de chez Energy Free. Je sais pas pourquoi j'ai envie de prendre un accent anglais, hein, ne vous inquiétez pas. Coco and Beurre de Karité Bio. Sympa, un 2-en-1 masque et après shampoing. Ça c'est cool, déjà le packaging très sympa. Et je ne connais pas trop leurs produits capillaires de cette marque là. Donc en plus 2-en-1 pour les cheveux bouclés et frisés, bah écoute, tu m'as refait, hein, très bien, ça me fait très plaisir parce que c'est exactement ce qu'il nous faut pour moi et ma fille. Elle m'a mis aussi, voyons, il y a des sacrés bonus, hein, des fossiles. Alors ils sont méga gigantesques, je sais pas si vous voyez, ils ont l'air énormes. Donc pourquoi pas tester de la marque BD, je ne connais pas. Et pour finir, au fond de la petite boîte, un petit échantillon et le fameux primer de chez Sephora. Enfin, vraiment, je le teste parce que y en a pas mal qui disent qu'il est plutôt bien pour avant le make-up. Bah écoute, déjà, cette boîte de goodies, elle est juste top. Bon, les Kinder, je sais pas si je partagerai avec les enfants. On va pouvoir passer maintenant au swap. Ça
J'ai hâte, je vous avoue, hein, parce que bah, ça fait plaisir dans ces moments-là. Donc je vais prendre les paquets, elle m'a dit au hasard. Elle a fait des petites étiquettes comme ça, trop mignonnes. Je sais pas si elle a trouvé ça chez Action, mais c'est trop mignon. Donc pour se détendre, idéal pour ce confinement. Vu le format, même si elle a essayé de m'arnaquer en faisant des grands paquets, ça doit être une boule de douche ou une boule de bain, quelque chose comme ça. Vu le format. Ça a l'air, alors je connais pas du tout cette marque, je vous... Attends, oula, il y a encore un autre truc en dessous, elle m'a fait des cachettes. Alors ça, ça doit être pour se détendre, ça doit être pour le confinement. Donc merci Andy, le Cocorico, c'est un de mes préférés de la marque, je les ai quasi tous, j'adore. Donc ça, il va aller direct dans mon 5 à 1. D'ailleurs, le mien, je viens de le terminer hier, donc ça tombe bien, c'était pas celui-ci, mais comme ça, ça va pouvoir changer. Et le Apple and Raspberry Swirl, donc c'est baume cosmétique je pense, je ne suis pas sûre à 100%, mais en tout cas ça ressemble un peu au baume de bain, baume cosmétique comme ça enveloppé, à vérifier, hein. By Bomb il y a écrit, donc je pense que ça doit être ça. Framboise et pomme, écoute, ça m'a l'air frais, alors c'est vrai que là c'est pas la période où je vais prendre des bains, mais je vais la garder parce que j'adore prendre des bains avec ça, et ma fille aussi d'ailleurs elle me les pique, hein. Donc ça c'est top, merci beaucoup. Ensuite, ça vient de loin tout ça. Ça vient de loin tout ça. Là, comme ça, quelque chose qui va peut-être venir des États-Unis. Peut-être. Des États-Unis, on va dire ça comme ça, parce que c'est ça qui est plus loin, on va dire. Qu'est-ce que ça peut être? Oh là 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 là! Oh my gosh! Oh là 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 là! Alors. Alors, un produit de chez Colourpop. Je sais qu'elle avait passé une commande Colourpop, la coquine. C'est le lip balm et le scrub à la coco, comme ça, spécial. C'est vraiment un kit avec le Coco Loco, ils appellent ça. Donc, il y a le scrub pour les lèvres et en même temps le lip balm. J'avais trop envie de tester cette gamme. Je vais vous montrer le scrub, c'est un petit pot. Parfait, j'aime bien les packaging du coup. Le scrub il se présente comme ça en petit pot. Et le lip balm bah, avec un petit truc biseauté je pense au bout. Ça c'est pratique hein, je trouve pour les... Voilà, biseauté pour mettre les baumes à lèvres, c'est très bien. Trop contente, j'ai hâte de voir si l'odeur va me faire voyager un petit peu dans les îles. Et voir si c'est efficace aussi hein. Ça je suis trop méga contente. Et avec ce petit lot, il y a un luxe lipstick, la teinte Kill Crazy Cream, donc c'est un rouge à lèvres crème. Je sais que j'en ai un de cette gamme là qui est un petit peu orange, que j'avais eu dans un autre swap, et là je suis trop contente parce que ça a l'air d'être un joli rose crémeux. Ça va être le rouge à lèvres je pense, parfait pour emmener. Ah ouais, oh il est trop beau. Voilà, je sais plus du tout si j'avais mis ce genre de teinte dans ma wishlist, mais j'avais mis des rouges à lèvres Colourpop etc. Sur Colourpop j'ai pas grand chose, donc ça pouvait pas... C'est quand même assez dur d'avoir un doublon. Et waouh, elle est trop belle. Donc c'est la teinte Still Crazy. Il est trop beau. J'essaierai, si j'y pense, de vous mettre les liens en barre d'infos pour celles qui sont curieuses et qui ont envie d'aller découvrir ces produits-là. Après le confinement, évidemment, parce que là, ça risque d'être compliqué. Petite note sucrée. J'ai pas d'idée comme ça, vu le format. J'ai absolument pas d'idée. Oh, mais... C'est malade. C'est un parfum Nina Ricci. Ah, c'est un parfum que je connais déjà, je crois. Oui. C'est un parfum que j'ai beaucoup aimé. Je l'avais eu il y a très longtemps. C'est une petite pomme rouge. Waouh, mais c'est dingue. C'est un parfum que j'ai beaucoup aimé et que j'ai terminé au moins une fois. Ouais, parce que je l'ai eu qu'une fois, je crois, ce parfum-là. Donc voilà le packaging, très beau. Je sais qu'elle voulait m'ouvrir un parfum, elle m'en a parlé. Ah non, c'est pas celui que j'ai. Oh là 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 là, trop bien. C'est pas celui que j'ai testé, donc ça va pouvoir être une... C'est le même style, en fait, mais ça doit être une autre gamme un petit peu différente. C'est comme les trésors de Lancôme, ils en font toujours plusieurs, vous voyez. Bah là, c'est pareil. Donc c'est le Nina Rouge. Déjà, packaging trop beau, tout rouge comme ça. Et on va tester, voir l'odeur, même si je sais que les Nina Ricci, j'aime beaucoup. Oh là là, ça sent bon! Je sais qu'avec Stacy, on a à peu près les mêmes goûts au niveau parfum. Oh, ça sent trop bon. J'adore les parfums. C'est une petite bouteille de 30 ml, je pense, mais trop bien. C'est un petit peu sucré, en même temps, c'est soutenu. J'aime beaucoup. Waouh, mais là, t'as été dans des endroits que je ne pensais pas. Honnêtement, les parfums, j'aurais même pas pensé, quoi. Donc, on continue avec un peu de glitter. Bah, donc, ça doit être des paillettes.
vu le format. Alors là tu me surprends quand même pas mal hein. J'avoue que je ne pensais absolument pas à tout ça. Donc ce sont des Glitter Rally Obsessed de chez Colourpop, qui sont soi-disant pour le corps hein. Waouh, il a l'air mais... Alors, est-ce qu'il y a une couleur? Oui, c'est Avenue of the Star. C'est une sorte de rose avec des holographiques, mais il est trop trop beau. Magnifique. Oh là 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 là, je sais pas si vous verrez bien. Là vous voyez bien la couleur, il est trop beau. Mon dieu, j'ai hâte de tester ça parce que j'en ai tellement entendu parler. Est-ce que c'est sous forme de gelée? Je ne sais pas du tout. Waouh. Oui, c'est en forme de gelée. Oh, regardez-moi. La merveille, quoi, la merveille. Bon, on continue avec des paillettes. Oh là là, des paillettas. Alors là, le format, je ne sais pas non plus. C'est pas le même format que tout à l'heure. Donc... Waouh, de chez Urban Decay, Ivy Metal. Glitter Face for Glitter Gel, donc pour le visage, le corps et les yeux. Donc ça, c'est un petit peu pour tout. Waouh, packaging magnifique. Je crois que c'est les petits... Oh ouais. Oh là là, mais je vais pouvoir faire du make-up pailleté avec tout ça. Regardez-moi ça. Oui, celui-ci, il était sur ma wishlist. C'est le Disco Daydream. J'espère réussir à faire des petits make-up un petit peu soutenus avec ça. M'amuser un petit peu. J'ai hâte de tester. Merci, merci. Déjà, wow. Là, il y a de la paillettasse, de la paillettasse. On continue, wishlist, donc ça a l'air d'être un masque pour le visage, peut-être quelque chose comme ça, de ma wishlist, il y a tellement de choses dans ma wishlist. Ah oui, c'est un petit masque Sephora pour le visage, c'est le Rose Gold Mask. Moi j'aime bien ces masques-là, un petit peu édition, entre guillemets limitée, mais pas vraiment. Je sais que j'avais testé le Silver Mask, comme ça, que j'avais adoré. Donc le Rose Gold, il me disait bien, donc super réconfortant, masque métallisé rose doré, formule nourrissante. Donc très bien pour ma peau sèche. Celui-ci, un fixe tout ça. On fixe tout ça, pardon. Alors, un fixateur. En ce moment, c'est la folie du fixateur. Moi, je suis méga fan en ce moment. Ah, trop bien! C'est un que j'ai beaucoup aimé. Moi, je l'avais à la cerise. Une édition un peu limitée que j'avais acheté en solde. Le All Nighter, donc le spray fixateur. Et je l'avais beaucoup aimé en version cerise. Donc, bah, je voulais le ravoir dans mes stocks. Hein. Je ne vais pas l'utiliser tout de suite parce que je le connais déjà. Mais... dans mes souvenirs, il était super bien. Donc là, en version pas cerise, en version normale, on va dire. Voilà, j'ai hâte de le remettre sur mon visage. Je sais qu'il marchait très 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 bien. Merci. L'un des deux seuls produits make-up que j'aime dans cette marque. L'un des deux seuls produits make-up que j'aime dans cette marque. Quelle marque? Quelle marque? Ah, de chez Yves Rocher. Ah oui, trop 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 cool. Donc t'en aimes qu'un dans cette marque? En tout cas, celui-ci, il était sur ma wishlist. Donc c'est de Yves Rocher, c'est le fameux concealer, l'anti-cerne beige sans ça. Merci, merci, parce que tout le monde en dit du bien, donc j'ai hâte de le tester. Et ça, c'est un primer base, peau parfaite, qui prépare et illumine le teint. Donc moi, si ça illumine le teint, c'est top. Zéro paraben, zéro ascol, zéro silicone, donc ça peut être pas mal à détester. Je connais pas celui-ci, je sais qu'elle en a parlé dans une de ses vidéos, je ne sais plus laquelle, mais du coup j'ai hâte de tester ces deux produits là d'ailleurs, si vous, pendant ce swap là, il y a des choses que vous connaissez, vous avez déjà testé, vous adorez ou vous détestez, n'hésitez pas à me dire en commentaire, hein, surtout. Ce n'est plus une surprise. Oui, bon, ça j'avoue, ça doit être la palette Huda Beauty, si je ne me trompe pas, puisque je voulais la prendre absolument, je voulais pas la louper avec les moins 25% pendant la soirée gold. Je vous mettrai mon haul gold ici, et du coup, elle m'avait dit qu'elle me la prendrait, c'était quasi sûr, donc voilà, je suis trop contente, je suis trop contente, je suis trop contente de la merci, parce que même si je le savais... voilà, je suis méga méga contente, elle me faisait trop envie, tout comme les Colourpop, là je sais pas pourquoi, mais les Colourpop comme ça dans les tons verts, je les voulais trop trop trop, donc là je suis méga méga contente. J'avais hâte de tester ces couleurs, ça me donnait tellement envie là pour le printemps, l'été, ça va être parfait pour un make-up un petit peu frais. Ensuite, métal. Alors ça a l'air d'être un petit tube métal. Peut-être un liner métallique. Ah, un rouge à lèvres métal. C'est le NYX Cosmic Metal et je les ai déjà. Alors, j'en ai quelques-uns. Je ne sais pas du tout si j'ai cette couleur-là. C'est le 16, le métal cristallisé. C'est une belle couleur comme ça. Je les retesterai parce que à l'époque où je les avais testés, j'avais pas trop trop aimé. Mais je les retesterai. Je verrai si c'est une couleur que j'ai ou pas. Je vous mettrai une annotation. Ça, c'est plutôt cool. Je crois qu'elle avait passé une commande sur NYX. Donc, pourquoi pas. Je retesterai.
tu m'en diras des nouvelles. Bah le format, je sais pas. Ah oui, c'est la fameuse base Pelouise. Oui, j'ai hâte de la tester, j'en ai marre d'en entendre parler dans toutes les vidéos de tout le monde. Donc c'est la rumeur 0,5, j'ai failli craquer pour l'avoir parce qu'il y avait une offre moins 50%, moins 40% sur le site Pelouise. Du coup j'ai failli prendre, hein. Mais voilà, j'ai résisté et honnêtement je suis trop méga contente de pouvoir la tester, de me faire un avis... Je vous renvoie vers ma vidéo Marion Caméléon, comme ça, ça pourra peut-être vous donner des idées si vous ne connaissez pas. C'est une base pour les yeux. Et il en reste deux petits derniers. Le petit. Je me suis pris le même et je l'adore. Peut-être un petit blush, un petit concealer, quelque chose comme ça. Alors, ça a l'air d'être de la marque Morph, vu le packaging, si j'arrive à l'ouvrir. Et c'est bien du Morph ou du Morphe, je ne sais pas. Donc c'est la teinte débutante, on dirait, un bronzer. J'ai jamais testé de bronzer chez eux, donc je suis trop contente. C'est le même format que l'highlighter que j'ai déjà chez eux, que j'aime beaucoup. Donc là, elle a l'air pas mal la couleur. Il a l'air vraiment pas mal du tout. Trop cool. Pas mal de découvertes, dis donc, de ce soir, parce que finalement, il n'y a pas forcément beaucoup de choses de ma wishlist, mais il y a pas mal de choses à découvrir, donc c'est plutôt sympa. Et le dernier, du glow. Pareil, au niveau du format, je suis nulle aujourd'hui, redevinez pas. Qu'est-ce que ça peut être du glow? Ah! Ta-da! Produit Fenty, donc le fameux duo, le Diamond Bomb Baby. Donc il y a l'enlumineur comme ça et le gloss, le fameux gloss Fenty, hein, je vous les montre. J'avais déjà testé un kit dans ce style-là et j'avais pas aimé, c'était le... Il y avait quoi dedans? Il y avait un stick bronzer avec la poudre bronzante, mais j'avais pas été conquise. Mais là, je suis contente parce qu'il y a le fameux fusil, donc ou fusil, je sais pas comment on dit, pour les lèvres. Et le How Many Carats pour l'enlumineur. Donc ça, c'est cool. Je vais pouvoir tester enfin, les highlighters Fenty. Donc l'highlighter, il... Alors ça a l'air beaucoup de paillettes, hein. On va voir ça. Ah non, ça va, je m'attendais à des... Il y a des paillettes, hein, mais il est quand même blanc métallisé comme ça, il peut être pas mal. À voir avec quel style de make-up, hein, ça va pas avec tous les make-up. Et le gloss, j'avais trop hâte. Je vous le swatch pas parce que vous le connaissez sûrement, mais là, en petit format, c'est trop cool. Voilà pour ce soir. Je suis ravie des petites pépites qu'elle m'a fait découvrir, des petits produits qui me faisaient envie vraiment. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, n'hésitez pas à aller voir surtout ce que moi je lui ai concocté. J'avoue que j'ai cracouillé quand même pour elle, hein. J'ai craqué mon slip. Je serai plus raisonnable maintenant, je vais essayer de me calmer. En tout cas, j'ai plein de choses à tester, je suis trop contente. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura changé les idées. N'hésitez pas à vous liker, à vous abonner si c'est pas encore le cas. Et je vous mets bien sûr tous les liens en barre d'infos si ça peut vous intéresser. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Salut !